Adieu. Et re tout le monde, donc on se retrouve dans le Nether, toujours, donc je n'ai pas bougé étant donné qu'on enchaîne les épisodes. Donc, on va s'ériger quand même tranquillou, où la forteresse. Et on va voir. Putain, il faut que je tombe direct sur un wither, dégage. Et il faut qu'il m'empoisonne parce que je sais pas tuer les purées de wither. Bon, lâchez-moi. Lâchez-moi, j'ai assez de pression comme ça. Est-ce que je peux mourir de ça? Purée, je vais mourir tout seul comme une débile là. Sans pierre, je suis plus rien en fait. Non, ça va. Je vais m'en sortir. On va manger un petit peu. Ok, on va attendre que ça régène. Il y a lui qui m'attend comme un débile là. Aïe. Connard. Allez, viens. Ok, merci. Oh, il m'a loot son arc. Ah merde, tout à l'heure j'ai pas récupéré les flèches. Voilà. Bon, on a deux flèches. C'est pas grave. Sincèrement les gens, je sais pas ce qu'on va faire. Déjà, on va essayer de pas se faire cramer. Là, je suis en stress. Je vais être en stress post-traumatique tout le reste de l'épisode. Donc d'après moi, ça a déjà dû être exploré. Je sais pas si on va pouvoir se faire des potions. Ce serait quand même l'idéal, mais j'y crois pas trop là, à l'épisode 5, avec toutes les morts qu'il y a eu dans le Nether. Ça a déjà dû être exploré de fond en comble. On va quand même se croiser les doigts, peut-être que quelqu'un de sympathique en a laissé un. Le spawner de Blaze devait être ici, la tête brisée. Ah, purée. Là, il y a des boules d'XP. On va y aller. On va aller la chercher. On va pas laisser l'XP traîner. Ok. Et là, il va falloir que je me retrouve un portail. Hein. Ma crib. Allez. Avec la hitbox de merde, on va essayer de te tuer. Si on peut se faire des potions. Résistance au feu. En fait, ça servirait pas à grand chose. Dans le contexte actuel, mais... C'est pas grave. On va pas le laisser vivre. Personne n'a le droit de vivre. Même pas toi. Même pas toi. Ok, bon, bien sûr, on n'a rien eu. Je m'y attendais un petit peu. Bonjour le pig. Tu peux pas m'indiquer où serait la Netherward? Non. Bon. D'accord. Donc là, je suis désolée, je parle pas fort. En fait, j'ai peur de me faire entendre. Donc je dis coucou à Pierre ou à Hunster qui doit me juger, comme il a si gentiment dit. Et il reste... Purée, mais il reste que 3 attaquants. 3 attaquants versus 3 def. Alliance interdite, donc je peux pas m'allier avec Skinez et Nutitef. Donc seul contre tous, quoi. Seul contre tous. Oh purée. Un blaze. Loot-moi un truc. Loot-moi un truc, n'importe quoi, mais loot-moi un truc. Connard. Bon. On va... Ça, je suis allée. On va aller par là. Pourquoi c'est creusé chelou ici? Purée, ça me stresse. Purée. Et là, je me demande dans quoi je me sens embarquée. Bon, on pourra dire qu'on a fait un kill dans l'aventure. Donc on a balancé Nouille dans le vide. Et c'est très marrant de faire ça comme ça. Et donc ça pourrait être le point fort de la série. Parce que le reste, bah, je crains que ça soit pas hyper... avec hyper d'action quoi.
Bon, allez, on continue. Et ce nether a l'air pratiquement vide. Je vais voir si je creuse pas en bas. S'il n'y a pas un intérieur. Non, il n'y a pas d'intérieur. Donc si on ne trouve pas d'intérieur, on ne trouvera pas de Nether Ward. Et si on n'a pas de Nether Ward, mais pas de potion. Et si on n'a pas de potion, ben, le Nether aura servi strictement à rien. Mis à part, ouais, on peut récolter l'XP. Je pourrais y aller dans cette optique. J'ai 57 fer, on récupère de l'XP. Et on s'enchante bien, quoi. On a déjà Sharpness 2, Knockback 1. On va essayer. Ouais, on va y aller dans cette optique parce que niveau potion, je crois pas qu'on puisse faire grand-chose. Donc on va se récupérer des niveaux. Et on va tenter ça. Bon, on est niveau 14. Je calme le chien là. Je suis assez en stress comme ça là. Bon, ça c'est la sortie. Et ça, c'est la lave. Mais Rosgrim est mort? Non, Rosgrim est pas mort donc. Non, on n'est pas seul contre tous. Il y a Rosgrim qui est là. Et pourquoi je chuchote? J'ai l'air débile. Il n'y a pas l'air d'avoir d'intérieur à ce. À cet endroit-là. Ok, on va aller se mettre dans un coin. Assez éloigné pour pas qu'on soit vu du portail. Et on va. Comment ça s'enchante? Niveau or, on va calculer aussi combien on en a, mais 37, 6 plus 2 blocs, attends. 24, ça fait pas assez. Ah, oh, purée. Purée, 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 purée. Bon, je suis allée vite tout à l'heure en récupérant le stuff, mais ils étaient pas enchantés. Donc. Quoique oui, j'ai récupéré une charnesse de. Non, c'était celle de pierre. Ah merde, je suis peut-être allée trop vite au niveau du stuff. Bon, c'est pas grave. J'ai au moins la charnesse 2 de pierre, donc on va pouvoir se faire la charnesse 3. Ah putain, toi. Non, je veux pas te voir. Et là, il y a la petite musique tranquillou de Minecraft, bien sûr, normal. Ok, on va se caler ici. J'ai un stack de lapis, ça devrait aller. Mais c'est pas la table d'enchant que je voulais. Je veux ça. Ok, sharpness 1. 9 niveaux. 7 niveaux. Allez, sharpness 3, knockback 1. Ok. Là, on a quoi? On a protection 1, protection 2. On va faire une protection 3. Oups, ça faudrait peut-être l'enlever, ça irait mieux. Donc protection 3, protection 9 niveaux et comme ça 7 niveaux, purée ça va vite. Ok, protection 3, on va commencer avec ça et on va aller se récupérer des niveaux. On va aller se récupérer des niveaux. J'ai vu pas mal de quartz là. Surveille quand même autour de nous. Faut pas se faire choper comme une merde. Tout mais pas ça, ça on est allé. Le blé, j'aurais peut-être dû aller le tuer quand même. Je suis embêtée là. Je suis assez embêtée. J'ai pas pris les coups du portail, mais c'est pas grave, on est encore proche. On va manger.
Et l'arc. L'arc, ce serait bien de l'avoir proche. Ok. Voilà. On est en business. Putain, 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 putain. M'attaquez pas, m'attaquez pas, m'attaquez pas. Séparez-vous en fait. Rushez-moi, mais doucement. Aïe, 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 purée. Ok, ça va, deux cœurs. Approchez-vous. On les rush. Ok. Bon, avec ma chance inouïe, ils ont rien loot. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il y a un spawner dans le coin. On va juste... Non, il n'y a pas d'intérieur non plus. Et je sais, là, je tourne en rond. J'avais déjà regardé ici pour l'intérieur. J'ai un peu de mal à réfléchir correctement. On peut même pas mettre ça sur la faute de l'heure parce qu'il est pas tard. Wow. Ah, ici. Ah, oh, génial. Génial. C'est là qu'on va voir que la forteresse a sans doute déjà été visitée de fond en comble. Ou c'est là que je vais complètement me perdre. Ouais, ça a déjà été visité. Pas quand même s'il se trouvait des escaliers à Netherwart. Je croyais les avoir vus. Non, ça c'est par là qu'on arrive. On va se mettre une petite torche de repérage. D'accord, c'est chelou comme endroit quand même. C'est assez chelou comme endroit. Là il y a des blazes. Ça c'est de là qu'on arrive en fait. Non, c'est pas la même place. Oui, c'est la même. Je suis perdue. Perdue dans le Nether. Je suis perdue dans le Nether. Bon. En fait, je suis pas vraiment perdue. Je suis juste... Ok. Donc, on va faire comme j'avais dit la première fois. Parce que là, ça a déjà été visité. Donc, on va se concentrer vraiment sur les enchantes. Pas pendant 14 épisodes, on s'entend. Mais là, le nombre d'or qu'on a, ça serait quand même... Waouh, il m'a fait peur, lui. Je suis en train de me gratter l'œil. Oh, purée. J'ai eu peur. Bon, on s'attardera pas. On s'attardera pas parce que je tourne en rond. On va prendre le quartz ici. On va s'augmenter de niveau. Ah, oh, attendez, il y a une continuité ici. On va aller voir. Oh purée, bon. Ok, on est déjà allé là. Ça, c'est mon chemin de... C'est là que j'ai battu les blazes. Bon, je sais environ où on est. Donc, on va aller miner un peu de quartz. Oh purée. Attends, regarde-moi. Est-ce qu'il est con? Hé! Je suis là! Merci. Ok. On va continuer. Tranquillou. Putain, mais il y a des wizards. Purée, il m'a eu. J'en ai pour combien de temps? Pour 6 secondes, ça devrait aller. Ok. Ça va, j'ai presque pas perdu de vie. Bon, par où je suis descendue dans la... Dans la forteresse. Ah purée, et c'est là que le gaz la ramène.
s'éloigner un petit peu, mais pas trop quand même. Pas trop quand même. On va quand même s'éloigner parce qu'il faudrait pas se faire prendre dans le dos. Ça me prend un peu chiant en fait. Ok. Donc là, on sait tous comment ça va se finir. On va se stuff comme des malades et ensuite, ben, on va mourir comme des merdes. Mais ça, au final, on a l'habitude. Mais c'est pas grave. Bon, on va. Allez, tant qu'à l'avoir, on va s'en servir. On va se servir de notre petite pioche en diam. Bon, ce niveau. Ah non, depuis la mort de Pierre, l'ambiance a changé d'un coup, hein. Ça c'est la même. Ouais, ça c'est notre forteresse de tout à l'heure. Ok. On a 12 niveaux. Bon, attendez, on va se mettre dans un coin tranquille. Et on va poser la table de craft. J'en ai plus, j'ai tout jeté comme une débile, donc on va se la refaire. Ok. Là, on a quoi? On va tenter le protection 2 sur le pantalon. Protection. Deux, on va tenter la même chose pour le casque. Ah, attends, j'ai quoi? J'ai protection 1. Aquafinity, ça me sert à rien. On en a 5. C'est peut-être pas l'idéal, mais tant qu'à les avoir, on va s'en servir. Voilà, on va voir ça. Il me reste 7 niveaux. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans l'overworld. On va se trouver une place tranquille où on va faire chauffer notre or. On va calculer combien il nous en manque. Et on va viser ça. Attendez, ça nous sert plus. Ça aussi. Ça aussi. Ça peut être intéressant par contre. Non, regardez, il y a du gravier, il y a déjà des gens qui sont allés. Ah putain. Non, regardez, la façon que c'est fait, ça a vraiment déjà été visité. Oh, toi, tu me saoules. Hein. Bon, maintenant on dégage parce qu'ils savent tous qu'on est là. Bon, ben, je dois être la seule à faire des enchantes un peu débiles. À faire des achievements un petit peu débiles dans le Nether. Bon, on est de retour chez nous. Ok. On va détruire ça un petit peu. On y retournera pas. Donc on va vraiment faire ce qu'on avait dit les gens. Donc sur ce, nous allons nous laisser pour le jour 5. Qui était fort et riche en émotions. Donc, si cet épisode
vous a plu, vous savez quoi faire, les amis. Donc, le bébé pouce bleu et le bébé commentaire. Et on se dit à bientôt pour le jour 6 de Sky Defender. Je vous fais des bisous, bisous.